Une mère en deuil voit le fantôme de son fils mort dans la cuisine à travers la caméra de surveillance. À Atlanta, en Géorgie, Robbie Holgail est décédé d'une overdose de drogue à l'âge de 23 ans en 2017. Sa mère Jennifer Holgen en avait alors passé les deux dernières années à essayer d'accepter la peine de son fils, attentionné. Mais il y a de cela quelques jours, elle aperçut une notification sur son téléphone indiquant une personne repérée à l'entrée de sa maison. Une silhouette suspecte. Le 5 janvier 2019, la dame de 57 ans regardait sa télévision au lit avec sa fille, Lorraine de 21 ans. Lorsque son téléphone a envoyé une alerte provenant de sa caméra de surveillance située à l'entrée de la maison. Le message disait que la caméra avant repérait une personne à 5h51 du matin. Et les images envoyées au téléphone de Madame Anglais montrant clairement une masse transparente ressemblant à la silhouette d'une personne portant un pyjama. La mère et la fille ont alors couru à la cuisine, mais elles n'ont trouvé personne. Un fantôme. Après réflexion, Madame Anglais pense que sa caméra de surveillance a en effet capturé des images du fantôme de son fils. C'est juste fou, j'étais allongée dans mon lit et regardais la télévision. Après ma fille, que j'étais à peine endormie, raconte la dame à UNILAD. Le téléphone était entre nous deux, et quand j'ai reçu cette notification indiquant que quelqu'un était dans la cuisine, j'étais abasourdi. Cela lui ressemblait, la barbe et tout. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Pensez à liker et partager cette vidéo et aussi mettre des commentaires. Merci à tous.